Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vlog. Et donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu d'améliorer la formation gratuite que je propose depuis quelques semaines en ligne, et donc elle a pas mal de succès et j'avais envie de mettre une petite mise à jour parce qu'à la base ces vidéos étaient faites pour YouTube et pas spécialement pour la formation gratuite. Donc en attendant, j'ai pris les vidéos de YouTube pour les mettre dans la formation, mais je trouvais que c'était pas correct de ma part de faire ça. Donc du coup je prends le temps cette semaine de refaire un petit module, refaire un petit récap étape par étape de la création d'un site web en détail avec un nouveau projet. Et ici en l'occurrence j'ai pas pris un projet client, j'ai pris le dernier projet que j'ai mis en ligne pour mon propre site web avec des éléments qu'on va pouvoir recréer ensemble en vidéo pas à pas dans la formation gratuite. Et donc j'ai pris le temps cette semaine de m'occuper... Il y a quelqu'un devant sonner porte. Voilà, il y a quelqu'un devant la sonnette. Et donc j'ai pris le temps cette semaine de vraiment me concentrer aussi sur l'organisation du vlog, parce que bah, comme tu le sais, pour moi c'est assez nouveau. Et la semaine passée j'étais un peu pris de court point de vue organisation, j'avais pas grand chose à te partager non plus que je trouvais sympa. Faut savoir que je travaille toujours de chez moi à la maison, et donc du coup parce que je vais plus à l'espace de coworking comme c'est en période de confinement. Je compte d'ailleurs retourner semaine prochaine, passer quelques jours, parce qu'entre temps je pense qu'on peut retourner travailler de manière plus sécurisée, même si c'est quand même conseillé de travailler en télétravail. Mais comme ça, ça va me permettre de te montrer un peu l'envers du décor quand je travaille en espace de coworking. Ça donnera un peu plus de choses un peu spéciales à te partager. Donc cette formation gratuite, elle est disponible juste en dessous de la vidéo, donc n'hésite pas à t'y inscrire. Je suis ouvert à des idées, à des questions, donc n'hésite surtout pas à me poser toutes tes questions Webflow. Donc je vais te montrer d'ailleurs à quoi ressemble cette formation, parce que voilà ce qu'on va essayer de réaliser. Alors donc comme je te le disais, je pars de la nouvelle version de mon site web sur lequel j'expose vraiment tout et qui est plus détaillé. Voici le site actuel que j'ai mis en ligne récemment. Alors comme il y a du code, c'est un peu du travail plus avancé, je vais pas t'embêter avec ça. On va plutôt simplifier les choses, mais faire en sorte que tu comprennes bien les bases et que tu comprennes aussi la puissance de l'outil Webflow que j'utilise depuis quelques années maintenant et qui est vraiment fabuleux. Donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Donc c'est un peu plus simple, mais on est dans la même idée. Donc on va partager, on va écrire, on va travailler ensemble sur cette première partie. Et puis un petit mot sur moi. Donc on imagine une photo à droite avec du texte à gauche, la ligne en fond, et puis bien sûr le footer ici complet aussi avec les petites icônes des réseaux sociaux. Et donc je pense que cette landing page va te permettre de mieux comprendre l'outil. Alors cette formation, elle est complète. Donc tout ce que je te montre là, je vais expliquer en détail dans la formation. Il faut juste savoir que je vais aussi parler de la manière dont on va créer un site web, parce que je voudrais que tu comprennes et que tu aies une vue d'ensemble aussi d'un créateur de site web. Parce que créer un site web, c'est pas juste prendre l'outil et attaquer directement sur le projet. Il y a des étapes qu'il va falloir mettre en place, et moi je suis quelqu'un d'assez... Voilà, j'aime bien l'organisation, j'aime bien quand ça suit un certain ordre, et donc j'avais envie de te transmettre aussi la manière dont moi je procède lorsqu'un client vient chez moi et qu'on démarre un nouveau projet. Donc je vais parler de Webflow évidemment parce que c'est la partie la plus technique, et c'est ça fait partie aussi de la formation qui se trouve qui est payante du coup, avec où je vais plus dans le détail. Mais là aussi dans la formation payante, je vais encore plus en détail dans la partie vente, comment se vendre, comment vendre un projet Webflow, comment l'organiser aussi en détail. Ici je vais quand même déjà te donner pas mal d'infos cruciales qui vont juste tout simplement faire en sorte que tu comprennes mieux le principe. Alors si tu es graphiste, il n'y a aucun problème, tu n'as besoin d'aucun prérequis. Si tu n'as jamais travaillé sur Photoshop, je pense que ça va être un peu plus difficile, mais pour moi tout le monde peut y arriver, et je fais en sorte d'être le plus didactique possible pour que tu puisses comprendre et travailler pas à pas sur ce premier projet Webflow. Je fais cette petite formation gratuite parce que j'estime que travailler sur des projets WordPress sans savoir coder, souvent on doit aller chercher des templates et venir l'installer et
puis gérer avec des templates. Souvent, on est assez limité, et donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai découvert Webflow, et ça a bien évolué depuis. Et donc, aujourd'hui, je fais tous les sites avec Webflow, parce que ça me permet tout simplement de gagner un temps fou et d'être aussi 100% libre. Je ne dépends plus des thèmes WordPress ou d'autres plateformes comme Squarespace, Wix, et j'en passe. Ici, Webflow, tu gères tout de A à Z, et c'est ça que je trouve vraiment fantastique. Donc, j'avais envie de vraiment prendre soin de faire une formation gratuite, mais quand même qualitative, avec toute une vue d'ensemble de comment je vois les choses et comment j'ai envie de le partager, parce que ça a très bien fonctionné pour moi, et donc je voudrais que ça fonctionne très bien pour toi. Voilà, j'espère que quand tu verras ce vlog, eh bien la nouvelle formation sera mise à jour avec ce nouveau module, et donc n'hésite pas à revenir vers moi si tu as la moindre question, si tu veux de passer ton feedback, ou si tu as la moindre question technique à propos de cette formation gratuite. Voilà, pour moi cette semaine, ça va être ça. Je te souhaite un bon week-end. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Salut, ciao!